Chers autorités, on vous demande juste pardon. Vous savez, actuellement, on ne peut que vous demander pardon. En fait. Il y a certains parmi nous qui quittent jusqu'à l'intérieur, qui n'ont pas de pardon ici. Et vraiment, on est vraiment conscient, on vous demande pardon. Et on comprend votre colère. Tout ce qu'on a à dire, c'est pardon. On vous demande un délai. Un délai au moins pendant les vacances. Parce qu'actuellement, c'est la rentrée. On vous en supplie. On vous en supplie. Laissez tomber cette décision. On n'a pas de parents. Certains d'entre nous n'ont pas de parents à Abidjan. Ils sont quittés jusqu'à Guiglo, à Sinfra, à Kourougou. Si demain on les met dehors, où iront en fait? Où peut-être ils seront logés? Ce sont des gens qui seront peut-être à la rue encore. Et ça va créer beaucoup de dégâts. On vous en supplie. Faites-le à cause de vous. Pardon. On ne sait pas où aller. On ne sait pas où mettre la tête. En ce jour, on vous demande pardon, l'État. On vient devant vous pour vous demander pardon. On vous demande seulement qu'une requête. Ne nous laisser jusqu'à la fin de l'année académique. Et puis, si vous voulez, on va libérer les cités. Mais pour le moment, on vous demande pardon. On ne sait pas où aller. Moi, je viens de Guiglo. Et toi? Je viens de Gagnoir. Et toi? Je viens de Saint-Franc. S'il vous plaît, l'État, ayez pitié. On vient vers vous pour vous demander pardon. Nous sommes l'avenir de demain. Ayez pitié de nous. On vous demande pardon ce jour. On vous demande pardon. Vous aviez raison, mais on vous demande pardon.